Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour un épisode de Hunger Games, cette fois-ci solo. Nous sommes encore sur les serveurs Funcraft, je vais y arriver. Et cette fois-ci, rien de tout différent à part que je suis tout seul. Oula, le Hunger Games commence dans une minute, il faut que je choisisse un kit. Alors le kit, je ne suis toujours pas VIP, donc j'ai pas payé. J'ai pas payé de points VIP pour Ascensia, pour les serveurs Ascensia. Qu'est-ce qu'on va prendre? Saute de bloc, pain. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est un drone trop stylé, ton skin. Faut juste que je choisisse un kit. Excusez-moi. Alors, on va prendre le mineur, hein, de toute façon. On va prendre le mineur parce que il faut s'enterrer. Oula, 10 déjà. Oh la vache, ça a déjà pris. Bon bah c'est parti. Je sais pas du tout combien de temps je vais tenir. Hein. Oh non, ça c'est dégueulasse par contre. Vite, du bois. Alors, on se dépêche. Ah, y a pas beaucoup de joueurs en plus. Hein. Pourtant, il y avait plein de personnes sur le serveur. Ah, du coup, peut-être que ça lagra moins. Ensuite, je vais me tirer. Dès que je peux, je me tire. Il faut que je me trouve de la... Ah, il y a des rerolls. Il y a des rollbacks. Activation du PVP dans 2 minutes. Je prends encore un peu de bois. Et je me tire. Il aurait fallu que je me fasse une épée. Il aurait fallu que je me fasse une épée. Je me tire. Ouh! Ah non, j'ai cru que c'était un donjon. Un donjon. Ça aurait été un donjon de la jungle. C'est bizarre. Ah, il y a des lags. Activation du PV. Oh, des vaches. Allez, go. Alors, une table de craft. Hop. Allez, dépêche-toi. Waouh, il y a des lags. On va dire que ça, c'est bon. Mais j'ai déjà une pioche. Je suis con. Activation du PVP dans 1 minute. Oui, oui, oui. Toi, tu me tapes pas là-bas. Oh, il y a un bain de lave. Oh. À se tirer de là. Tu me suis, toi, ou pas? Putain, tu lags, mon petit pote, là. On va pas tourner autour du pot là, hein. Tu me laisses tranquille. Allez, tire-toi. Je suis vraiment désolé, je suis assez stressé quand même. On va se tirer de là. Allez, hop, on se tire. Voilà, je suis des lags. Personne qui me suit. Ok, j'ai un peu de bouffe, c'est déjà pas mal. Il y a de quoi faire de la soupe aux champignons. Hop. Il y avait des champignons rouges, je crois. Alors. On va aller s'enterrer. Je vais juste prendre un peu de bloc. Que je vérifie. On va aller s'enterrer. Alors on va commencer à creuser pour se faire du stuff et ensuite on va aller tous ébuter. Je suis en sneak là pour éviter qu'on me voit. Il y a l'air d'avoir une team en face quand même. Ça m'emmerde un peu. C'est bon, je peux y aller. Ça me rassure pas du tout. Waouh, bon, ok, génération de fous.
Par contre, des gros trucs comme ça m'inquiète un peu. Oh, des cochons, des cochons, des cochons. Par contre, du coup, voilà, il y a des bugs de luminosité. S'il y a un mob qui peut me tomber sur la gueule là. Hé, on ne voit absolument rien. Je vais traverser la flotte. Une côtelette à chacun, ça fait pas beaucoup quand même, hein. J'espère que je vais pas croiser grand monde. Surtout qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand monde sur le serveur en question là. D'habitude, il y a plus de monde, genre 140 personnes à l'ouverture, mais là. Ça tonne. Oh merde. Ok, d'accord. La vache, celle-là elle est grosse, hein. Ben, on va prendre l'option descente ou pas? Parce que du coup là-dedans on sera bien caché. Je vais me cacher là-dedans. Y a quoi là? On voit absolument rien. Vite, faut que je me cache. Ça commence à faire nuit. J'aime pas ne pas avoir quelqu'un dans le dos pour me surveiller. Hop, hop. Ça y est, fou, fou, fou. Je respire. J'ai survécu, c'est deux. Shit. Et merde. Du coup, il y a quelqu'un qui sait que je suis là, peut-être. Mais bon, on va descendre, hein. Il y a un mec avec une épée en fer, des bottes en fer, mais il a peut-être pris le kit tank. VIP, je crois qu'il y a ça dans le kit tank VIP. Allez hop, on va descendre, on va essayer de trouver du fer. Si on pouvait descendre la crevasse, ça pourrait être une bonne idée peut-être. Faut aussi que je fasse cuire la bouffe, mais j'ai pas de charbon. 26 joueurs restants. Oula. Ah non, mais c'est moi qui posais la pioche, la torche. J'avais entendu un bruit, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui creusait. Alors, on va descendre, hein. Ouh, 25 joueurs. Alors, on va essayer d'aller voir par là. Je crois que la crevasse est par là. Si je me trompe pas. Je suis plutôt content de ce début. J'ai de la bouffe. Ah, il y a des rollbacks. J'ai de la bouffe, j'ai survécu. Oh yes! Je dois être au niveau de la crevasse, je pense. Alors. Dégagez de mon tunnel. T'as des chances que tu te fasses pas buter, je pense. Hein, parce que si du monde dans ton tunnel et que tu dis juste ça. Alors. On va continuer. Est-ce que je suis dans la direction de la crevasse? Je vais juste aller récupérer les torches. Toc. Allez. Comme ça, je vais pouvoir faire cuire la bouffe. Il y a des rollback serveurs, donc du coup, je sais jamais si je prends la torche ou pas. Alors. On s'enferme. On va poser la table de craft. Voilà. Yeah! Ah, ça va, ça bug pas trop encore. J'ai vu pire. Kill-le et le mec il est mort. C'est ça? Ok, kill-le. Bra! Le pauvre. Il a pas du tout comprendre, je pense, hein. Ils ont l'air d'être plus de deux là en face. Ah. Oh. Il y a du fer en bas, mais bon, il fait pas très jour. Il y a juste. Ah, il y a du fer juste à côté. Je vais refermer ici au cas où. Parce
Et je vais essayer d'aller chercher le fer. Je vais y bouffer aussi parce que sinon. Alors en mode normal, je crois qu'on. Quand on a plus de bouffe dans la barre de faim, la vie descend jusqu'à la moitié, mais pas sur le serveur Hunger Games. Je sais pas si vous le saviez. Et du coup, on meurt de faim. On peut mourir de faim complètement. Alors, je crois qu'elle est à peu près au même niveau. Où est-ce que je suis là? Ok, je suis au niveau des charbons. Je vais me prendre un putain de creeper sur la gueule là. Je sens mais très 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 mal. Que personne me tombe sur la figure, ok? J'ai bientôt plus de pioche. Ah, 1, 2. Un coffre magique. Et évidemment, c'est la team qui va aller la prendre. Mais moi, je suis tout seul. On va se tirer de là. Voilà, ça c'est fait. Donc, tu m'as enfermé. Alors, on va faire cuire les côtelettes. Il y en a un peu de fer. On va se faire une nouvelle pioche. Allez. Il y a du mal le cerf, dis donc. Un temps, on est beaucoup de connectés. Ensuite, ma priorité va être du stuff en fer, je pense. On va descendre. Allez hop. On va continuer à descendre. Alors, vous étonnez pas, ça c'est mon pack de ressources qui fait ce bruit-là. Hein. C'est pas quelqu'un qui gueule dans mon micro au moment où il y a le il y a un équipement qui pète. Hein. Allez, on continue. Je vais faire juste remonter, aller faire cuire mon fer. Est-ce que j'ai de quoi? Oui. Allez hop. Un petit casque. Mais. Ok, casque en cuir. Je crois qu'ils ont des problèmes de bouffe de leur côté. Ensuite, je vais me faire une épée en fer. Comme ça, s'il y a un problème, je peux riposter un minimum. On va check les pseudos aussi. Pas me prendre un gugus sur la gueule là. J'ai pas trop envie. On continue. On va retourner vers la droite. Je crois qu'on peut redescendre dans la crevasse à ce niveau-là. Tiens. Bon ben Xav Boulette a été buté. Je crois qu'il était dans l'équipe là. C'est juste. Oh merde, je suis déjà au fond. Attendez. Ah, il y a du fer là, ça peut être cool. Il y a du charbon ici. La crevasse est vraiment immense. Attendez. C'est de l'émeraude ça ou c'est. Oh, il y a de l'émeraude? Mais qu'est-ce que ça fout là? Ça me donne vraiment pas envie d'y aller par contre. Hein. Alors je sais, c'est pas très discret. S'il y a quelqu'un qui me voit faire ça, enfin, qui voit les blocs, je suis dans la merde. Surtout qu'il y a une torche. Mais bon. On va dire qu'il voit rien. Shit. Oh là là.
Je suis vraiment, mais vraiment pas rassuré là. Il reste 15 joueurs. 15 joueurs, c'est pas mal. Allez, il y a des rollbacks partout là. Serveur à mes fesses. Pourtant, c'est pas ma connexion, hein. Ouais, non, je dois pas être là-dedans quand même. Ah, la vache, il m'a fait peur, c'était clair. Il était plus fort que les autres, on dirait. Toto, là, il a l'air quand même pas mal, hein, niveau. Ah bah il y a un futur mort. Je... Ouhou, prémonition. Je pensais pas que je... ça serait vrai, mais bon. Alors, niveau bouffe, je suis ok. Est-ce qu'on peut pas descendre en fait au final? Ça, tu vas tu vire. Ce serait plus intelligent de descendre tout ça et de reprendre des torches. Hop, on reprend les torches. Un coffre magique. Je vais me retrouver face à des gens équipés full enchant, ça va être la merde. Alors, il a l'air de faire jour, non? Yep. Merde, je sais ce que j'ai oublié de faire. Établi. Une épée en fer, voilà. Ouh. Ensuite, ce qu'on peut faire, rapido. J'ai dit des bottes, bordel. Voilà, bon, l'armure, c'est pas ça, mais bon. Ça protège un minimum, on va dire. Disons que si... Allez! Si quelqu'un me saute dessus, ça sera pas deux coups, mais trois. Allez, vite, vite, vite. Un bloc, tu te fous de moi là. Va prendre tout le charbon, ça me sert pas grand chose. Putain, ça me fait trop flipper, ça me fait trop flipper. Bon, par contre, s'il y a quelqu'un qui veut m'attaquer là, pour le coup, il faut qu'il saute et il se tue. Hein. Alors, juste. Rapido, je vais juste regarder où il est. Cliff. Alors, il y aurait Cliff dans le coin. Je sais pas qui c'est. Tu m'attaques pas, je t'attaque pas, ok? C'est le deal. Bah alors, j'avais pas pris. J'ai le cœur qui bat la chamade, c'est affreux. J'ai pas vraiment l'habitude des Hunger Games, hein, donc j'en fais pas très souvent. Je suis pas non plus le big boss du big boss de la mort qui tue. Hein. Et j'ai encore jamais gagné. Voilà, pour tout vous dire, sur ces serveurs-là, j'ai encore jamais gagné. Je vais refaire juste une pioche. Au niveau du bois, ça tient le rythme. Ouais, ça c'est bon. Ah ouais, on va chercher le fer. Ensuite, on va retourner s'enterrer avant la nuit. Putain, j'ai trop peur qu'il y ait un truc qui me tombe sur la gueule. C'est affreux! De l'or. Je suis content pour toi. Oh! Ah mais il y a une deuxième crevasse là. Ça, ils sont complètement ch'tardingues. On dirait que ça donne sur la mer. C'est beau. Ils sont complètement malades d'avoir mis ce satané bruit là. J'ai cru que mon cœur allait lâcher. Ah bah voilà, Toto est morte. Toto est mort. Gueule pas non plus toi. C'est flippant, c'est flippant, c'est flippant.
Ok. 36 charbons. Ah, 20 minutes. Ok, je coupe là l'épisode. On se retrouve pour la partie 2. À tout de suite.